Comme c'est la fin de l'année aujourd'hui, les enfants, on va récolter tout ce qu'on a sur votre planche. Donc on va commencer par les fèves, les carottes, après on fait les oignons. Le quartier Saint-Blaise, c'est un quartier qui est difficile et on voulait que les élèves aient ce sentiment d'appartenance au collège et que même si ça se passe pas très bien en classe, donner envie de venir au collège. Peut-être pas pour le cours de maths ou pour le cours de français, mais c'est le collège, c'est quand même le lieu scolaire et on a envie d'y venir. Et peut-être que si on a envie d'aller à l'atelier du midi, ben on ira aux 4 heures de cours avant pour pouvoir aller à l'atelier du midi. Je jardine, je touche à la terre, je touche à la matière, c'est hyper agréable. Avec les camarades de ma classe ou des autres classes de 6e, je les connais mieux. Et on peut parler beaucoup plus normalement quand on est sur le toit que quand on est dans la cour de récréation. On travaille aussi bien avec les élèves sur des temps d'activité qu'on a uniquement avec les élèves. Et il y a aussi des temps avec les enseignants, avec le personnel de l'établissement. Et montrer à un élève que la petite graine qu'il a plantée en début d'année, aujourd'hui c'est devenu un arbuste ou une plante aromatique, le pied de fraise, et donc la fraise qu'il est en train de manger ou de récolter, et ben ça fait une énorme différence chez les élèves. D'avoir ce sens qui est donné aux apprentissages, c'est extrêmement important pour nous. Savoir calculer des mètres cubes, on ne comprend pas trop à quoi ça sert, mais savoir combien de mètres cubes de terre il faut pour remplir un bac, ça, c'est concret et ça donne un lien. Et donc, en rentrant dans les apprentissages, on lutte contre le décrochage scolaire. Après, ça fait un gros buisson de menthe. Et c'est ça l'objectif. Mais si on coupe là, il y a un autre. Alors là, on aurait pu, ouais. Tu vois, on aurait très bien pu le couper ici, effectivement. On a cette année, au Club Jardin, 30, 40, 50% d'élèves en difficulté qui, scolairement, ne sont pas dans les attendus d'un collégien. Mais ici, ils le sont. L'objectif est atteint d'avoir un endroit où ils respectent le calme, d'avoir un endroit où ils travaillent, où ils fournissent un effort, où ils sont assidus. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent le transférer après dans leurs apprentissages. Donc, on a déjà gagné quelque part le fait qu'ils viennent et le fait qu'ils apprennent.